Bonsoir mes balances et Nati mes chéris, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas je vous le souhaite mes amours. Donc là, ça va être la guidance du 19 au 26 juin. Donc bonne fête des papas, à tous les papas du monde mes chéris. Alors, il y a une promotion, puisque je l'ai faite pour la fête des mamans, donc... c'est normal, pas de différence. Promo du 17 au 22 juin, mes chéris. C'est la question précise, 20 € au lieu de 25 € les 20 minutes. Question précise. Hein. Donc ensuite, c'est un domaine 30 € au lieu de 40, les 30 minutes. 3 domaines 50 € au lieu de 60 € les 45 minutes. Et le soin 80 € au lieu de 120 € par personne. Renseignez-vous, ça ne vous engage à rien. Après, vous vous décidez et on va convenir d'un rendez-vous par rapport à vos disponibilités et mon agenda. Pour me contacter, voici mon adresse mail, natalia16000nati@gmail.com, mes chéris. Alors, merci pour toutes les personnes que j'ai eues en consultation, pour les personnes dont j'ai effectué les soins, vos likes, vos commentaires, vos messages de soutien. Merci également aux personnes qui vont s'abonner. Bienvenue à vous sur ma chaîne, Nati. Et voilà, on va regarder maintenant qu'est-ce que j'ai pour mes balances du 19 au 26 juin. Allez! Prenez s'il vous plaît que ce qui vous parle. Oh là là! J'ai des messages là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mal à la tête d'un coup. Alors, j'ai eu mal à la tête. Il y en a. Ok, je comprends un petit peu. Là, en fait, si vous voulez. On va continuer, mais j'ai des gens qui ont à coup de foudre, mes chéris. Coup de foudre, ok. Mais il n'y a pas que ça. Coup de foudre. D'autres. Il y en a qui se prennent la tête. Par rapport à quelqu'un ou une situation, d'accord? Il y en a qui ont la tête dure. Hein. On va voir. Il y en a qui ont la tête dure, là. Hein. Là, vous vous obstinez. Vous êtes obstiné, vous obstinez par rapport à une situation ou quelqu'un, mais vous êtes perdant-perdante. Hein. Il y a des choses à comprendre. Il y en a d'autres, vous n'acceptez pas certaines choses, hein, d'accord? On me parle de... On me parle en fait, on ne reconnaît pas les choses pour certains, certaines, d'autres, ils sont dans le déni, d'autres en fait... D'autres ont fait la tête dure. Alors, vous adaptez, mes chéris, que vous soyez un homme, une femme, jeune homme, jeune fille, tout âge, tout sexe, adaptez. Prenez que ce qui vous parle. De toute façon, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, mes chéris. Et donc, après, ça peut être aussi, tout ce que je viens de dire, ça peut être à l'inverse. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre.
c'est l'autre. Donc, vous adaptez, mes chéris. Alors, on va regarder. Ok, ça marche. Encore une carte, s'il vous plaît. Waouh, super. Alors, j'ai quelqu'un qui se prend beaucoup, beaucoup, beaucoup la tête par rapport à ses finances, d'accord? Là, on vous demande de vous calmer justement parce que en fait, il y a une régularisation. D'autres, il y a un déblocage par rapport à une situation financière ou matérielle. Vous allez trouver la solution. D'autres, en fait, il y a une rentrée d'argent. Ça reprend là, c'est bien. Notamment si vous aviez, si vous avez un commerce ou vous êtes chef d'entreprise, là ça reprend, hein, d'accord, petit à petit, mais ça reprend. On voit bien qu'il y a là ici, j'ai quelqu'un qui est, oh là là, j'ai quelqu'un qui a pas de travail, ouais. C'est pas facile pour vous, vous avez pas de travail. Je veux demander, alors je vais demander. Je peux pas vous laisser comme ça parce que je voulais continuer. Hein. Ok. Oh, super. Oh, s'il vous plaît, ne lâchez rien, mes chéris. Je vous explique. Alors, prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Dites-vous que je comprends. Si vous avez, par exemple, bah oui, si vous postulez, vous avez postulé et que au fur et à mesure, on ne trouve rien, c'est la sécheresse, hein, d'accord? C'est la sécheresse, hein, vous voyez bien cette carte. Mais c'est pas que ça, cette carte, hein, d'accord? On est sclérosé, on va pas bien, on trouve pas de travail, on se sent pas bien. Je vous assure, ne lâchez rien parce que vous allez démarrer quelque chose. Hein. Alors moi, je ne peux pas, comment dire, vous commander le temps, hein, ça c'est sûr. Je ne peux pas faire les choses à votre place, mais tout ce que je peux vous dire, là, les messages, c'est qu'on ne lâche rien, on continue à postuler, il y aura quelque chose, hein. D'accord. Alors, pour certains, peut-être ça vient d'arriver, d'accord, de cet état de manque, de perte, de désert, eh bien, en fait, on démarre. Dites-moi quoi, mes chéris, alors, j'ai de moins en moins de commentaires, mes chéris. Dites-moi quoi, après, il fait beau, il fait chaud, on est bien, je comprends. Hein. Mais sinon, on démarre quelque chose. Alors, bien sûr, ça peut être un emploi, ça peut être une formation, ça peut être un stage, une alternance, on est bien d'accord. Mais, ou alors, vous démarrez enfin votre projet professionnel, hein, d'accord, vous adaptez. Toujours est-il, ne lâchez rien, s'il vous plaît. J'ai été plus loin, là. Hein. Je ne vous ai pas laissé comme ça avec cette carte-là, on est d'accord. Hein. C'était celle-ci au début. Hein. Donc, on ne lâche rien, on continue à postuler pour certains, certaines. D'autres, on va démarrer quelque chose, donc on se prépare, mes chéris. Pour d'autres, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui va tomber là, au niveau du pro, on est, hein, on est bien d'accord. Hein. On ne lâche rien. Vous le... Donc, alors, donc là, on est appauvri, sclérosé, bloqué et tout ça. Bon, bah, ça va démarrer, d'accord? On va quitter cet état désertique, on va vers la lumière et puis on démarre quelque chose, on se lance. Hein. Pour d'autres, en fait, ici, s'il y avait un blocage, des soucis au niveau de votre emploi, vous êtes employé, vous travaillez, hein, d'accord? Eh bien, ça y est, il y a de la nouveauté qui redémarre, on solutionne et ça va mieux. D'accord? Pour d'autres, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être à votre compte, hein, mes chéris. Ça peut être aussi que vous êtes déjà à votre compte et puis que ça fonctionnait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Les affaires n'allaient pas bien, bah, ça va repartir de plus belle. Hein? On tient bon, on ne lâche rien. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y a quelqu'un qui va comprendre quelque chose. Alors, donc en fait, si vous voulez, il y a des personnes où il y a un éclaircissement dans votre vie qui va se faire. D'autres personnes, ça s'est déjà éclairci, mais ça va continuer. D'autres, vous aurez des réponses, mes chéris. Et puis, pour d'autres, c'est à vous de donner la réponse par rapport à quelqu'un ou quelque chose, une situation, à vous de voir. Pour d'autres, on attend la réponse. Pour d'autres, en fait, si vous voulez, toujours est-il, là, on a de bonnes nouvelles pour certains et certaines. Vous prenez que ce qui vous parle. Et pour d'autres,
On est bien parce qu'on est beaucoup dans l'intellect, on a envie de lire, de s'instruire, de continuer à s'instruire. On a envie de rajouter du savoir au savoir, hein. On a déjà un certain savoir. Et là, on va évoluer, on va rajouter, vous voyez? Ici, j'ai d'autres personnes, vous êtes dans la dualité, il y a un travail à faire sur vous-même, d'accord? Par rapport à un conflit avec vous-même ou avec autrui ou avec l'autre, hein, d'accord? Pour d'autres, en fait, si vous voulez, là, il faut canaliser votre agressivité, vos nerfs ou quelque chose comme ça. Faut canaliser, maîtriser, il faut extérioriser, mais pas agressivement, hein. Allez me faire un footing ou allez me faire une marche de 2 heures. Je vous assure, la nervosité, elle va partir, l'agressivité, elle va partir, ça ira mieux. En plus, c'est gratuit. Ensuite, pour d'autres, mes chéris, mes amours, ici. Oh, on est amoureux, amoureuse ici, hein, dites-moi. C'est le début, là, hein, d'une belle histoire. Hein. Pour d'autres, en fait, j'ai des couples. Oh là là, ça se passe bien. Il y a de bons ressentis vis-à-vis de l'autre. L'autre a de bons ressentis vis-à-vis de vous. C'est de l'amour passionnel charnel, hein, d'accord? Pour d'autres, en fait, ici, par contre. Par contre, ici, il y a un choix à faire, mes chéris, au niveau du sentimental. Ce choix, il n'est pas évident. Est-ce que vous choisissez vous et vous avancez ou est-ce que vous stagnez? Parce que vous stagnez déjà, vous stagnez et vous restez dans la stagnation ou bien là c'est parti, on se choisit. Et puis, on veut la paix, la tranquillité, on veut la libération, la liberté, on veut se retrouver déjà avec nous-mêmes et on veut en fait, on veut la tranquillité et on veut la nouveauté. Donc, en fait, il y a un grand ménage à faire là-dessus, il y a un grand travail à faire là-dessus, développement personnel, travail intérieur. Faites-vous aider s'il le faut. Ensuite, ici, j'ai des personnes. J'ai un couple, c'est particulier. J'ai un couple, là, vous déménagez. Alors, à voir, est-ce que c'est... on change de ville, on change de région ou on change carrément de pays? C'est particulier, hein, ce que je veux dire. Ça ne parlera pas à tout le monde forcément. Donc, là, en fait, si vous voulez... on a envie de réussir à deux, forcément. Et puis, en fait, on a besoin de nouveautés, vous voyez. Alors, c'est possible qu'on n'est pas d'accord. Eh oui, c'est pas évident. Quand on est seul, ok, on choisit pour nous-mêmes. Mais quand on est à deux, c'est pas facile, hein? On est bien d'accord. Mais là, ici, en fait, si vous voulez, on va trouver un compromis. Et puis, le tout, c'est que bah, les deux, quand il y a un compromis, c'est que les deux sont servis et puis ils sont satisfaits. On est d'accord. Donc ensuite, ici, il y a des personnes qui doivent prendre une grande décision au niveau du sentimental, très importante, d'accord. Parce que tout le reste va dépendre de ça, votre avenir, votre bien-être et tout ça, hein, d'accord? Il faut prendre une grande décision qui n'est pas évidente, hein, je le vois très bien. Pour d'autres, on se demande si on démarre la relation avec cette personne ou non. À moins que c'est l'autre qui hésite, à vous d'adapter, vous le sentez. Pour d'autres, on a assez de bons ressentis, on va se décider. D'accord, on démarre la relation. Alors, ici, j'ai des personnes. J'ai des personnes qui vont trancher dans leur vie. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme un nouveau vous, comme une nouvelle vous, hein, d'accord?
Et en fait, vous avez déjà changé, vous le sentez, vous le savez de quoi je parle. Et en fait, on ne veut plus être dans le conflit, dans la dualité, dans la perte d'énergie. On veut avancer, on veut la tranquillité, on veut être un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, il est bien, il est serein, il est posé. Il a une vie tranquille, zen, il est dans le confort aussi. Et puis, en fait, il est posé, oui, mais aussi, il est, comment dire, se poser, il se pose. Quand il faut se faire plaisir, il se fait plaisir. Et puis, son chien loup, là, il n'est pas agressif, lui aussi, il est trop zen, hein. Le maître et le chien, ils vivent la même chose, forcément, ils sont ensemble et il est trop zen. Donc, en fait, on va être en fait, dans un certain épanouissement, zen attitude, tranquillité, paix, parce qu'on ne veut plus de ce conflit. On ne veut plus de cette dualité. On ne veut plus cette agressivité. On ne veut plus être en désaccord avec soi-même déjà d'une. Et puis, de toute façon, là, on se choisit soi-même. Ça, c'est clair. Hein. D'accord ? Pour d'autres, en fait, ici, on a besoin de conseils, on a besoin de... Alors, les conseils d'une personne qui peut vous prodiguer des conseils, d'accord ? Une personne d'expérience, une personne qui est habilitée dans cette situation, ce domaine. Ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être une amie, un ami, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être beaucoup de monde. À vous d'adapter, parce qu'on a besoin de réponses, parce qu'on a besoin de trancher, parce qu'on a besoin de se décider, parce que on veut en fait bouger, on veut plus stagner, on veut avancer. Là, on veut aller de l'avant et puis voilà. J'ai des personnes vraiment ici, j'ai des déménagements, j'ai des mutations, on avance là, on avance. J'ai des personnes, changement de lieu de vie, même de pays. Hein. Ah ouais, qu'est-ce que j'en ai. En tout cas, après vous allez me dire, après c'est pas tout le monde, hein. Ça parlera à qui ça doit parler. Ici, alors moi je voudrais voir quelque chose. Continuez comme ça parce que c'est l'abondance qui vous attend. Bon. Génial. Alors, ouais. Alors là, on me dit. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ok. Là, c'est clair. Ouh. Là, c'est clair, on se choisit soi-même. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui va se choisir. Oh. Bon, bah, je prends les deux. Elles sont sorties les deux. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va maîtriser sa force, sa violence, son agressivité, d'accord ? Alors, en fait, vous allez faire un travail sur vous-même et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas lieu d'être dans cet état, d'accord ? Et de toute façon, je vais terminer ce cas de figure parce que j'en vois un autre. Ok, ça marche. De toute façon, en fait, si vous voulez, vous allez vers une nouvelle personne, vous êtes une nouvelle personne, on maîtrise. Et puis, en fait, si vous voulez, vous ne voulez plus être, vous voulez de la paix, de la tranquillité, franchement, même votre mental, on voit très bien que vous réfléchissez différemment. On prend là de la maturité, alors qu'avant on était c'est affreux, on était, regardez là, c'est affreux, on était dans la douleur, la souffrance, hein, d'accord. Et puis en fait, si vous voulez, on allait mal, quoi, on allait très très mal. Mais il y a un reste d'impulsivité, d'agressivité, il y a un reste comme ça de conflictuel qui va se régler, hein, d'accord. Vous allez vous libérer même.
mais par vous-même un plus, hein, parce que vous faites un super travail sur vous-même, hein, moi je le vois ici. Pour d'autres, en fait, si vous voulez, pour d'autres ici, en fait, si vous préférez, là, on quitte tout ce qui est conflictuel. Terminé. Hein? Terminé. Alors, on quitte, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être sentimental, emploi, ça peut être avec nous-mêmes, on était comme ça, donc il y a une résolution. Toujours, il y a une résolution ici. C'est terminé, on ne veut plus de conflit. Terminé, là. Il y a aussi que, en fait, si vous voulez, on accepte ses erreurs aussi. Bah oui, parce qu'en fait, si vous voulez, on va arrêter de se victimiser. On accepte ses erreurs parce qu'il y a une part de responsabilité. Vous allez accepter. Enfin, on accepte ses erreurs. C'est plus que, si vous voulez, on mettait sur le dos de l'autre. Alors, l'autre, il ne vous a pas loupé, ça c'est sûr. Mais là, on accepte ses responsabilités. Parce que, si vous voulez, bah, vous avez donné aussi le pouvoir, le moyen de vous atteindre. D'accord ? Dans cette situation ou par rapport à cette personne. Donc là, on accepte et on avance. Alors, ça c'est super. Alors, pour d'autres, en fait, si vous voulez, j'ai quelqu'un, prenez que ce qui vous parle, j'ai quelqu'un qui est déterminé à avancer coûte que coûte et à s'enrichir davantage, d'accord? Parce que vous avez quelque chose en tête, un projet, peut-être un achat de biens, ou alors, en tout cas, on a un projet. Hein. Et donc, en fait, on va être en mode reine de bâton. Et la reine de bâton, elle, si vous préférez, il y a elle qui revient. C'est incroyable. Je l'avais en dodec. Et là, en dodec, j'ai quoi? L'as de coupe. On va se choisir, on va s'aimer. Hein. On va se choisir, on va s'accepter. Parce qu'il y a eu un travail de super continuer comme ça. Vous faites un travail de développement personnel sur vous. Parfait. Vous avancez, continuez comme ça. Pour d'autres, en fait, si vous préférez, ici... ici, on tombe amoureux, amoureuse, hein, ça redit. Hein. Ici, ouais. Ici, il y a aussi le projet professionnel ou un travail qu'on souhaitait de tout notre cœur, ou alors on va être épanoui. On va être épanoui, on va se sentir bien. Pour d'autres, c'est un lieu de vie, vous allez vous sentir bien. Alors, pour d'autres, c'est clair, vous avez besoin d'éclaircissement, ça n'arrête pas, ça ressort. Donc, je répète, on a besoin de réponses. D'autres, il faut donner votre réponse. D'autres, on a besoin que ça s'allume. On a besoin que de réponses. Hein, d'accord ? On a besoin de lumière. Pour d'autres, on a des bonnes nouvelles. Pour d'autres aussi, occupez-vous des documents, des papiers administratifs. Pour d'autres, on va passer un examen. D'accord ? Donc, tenez bon. Parce que, il faut l'obtenir, hein. Et il y en a, mes chéris, ici, il y en a pour certains et certaines ici, vous êtes dans la spiritualité, vous croyez en vous, en fait, comment dire, encore plus qu'avant. Vous croyez en vous comme jamais vous avez cru en vous, vous croyez en l'univers comme, peut-être aussi, peut-être. Et vous allez vous épanouir hein, comme ça, parce qu'en fait, si vous voulez, d'abord vous êtes protégé, et puis en fait, si vous voulez, vous êtes accompli ici, épanoui, homme ou femme, peu importe, vous adaptez. Ici, c'est vraiment, je crois en moi, je crois en l'univers, et j'avance, et je veux le monde, et je l'ai, vous voyez. Alors, avoir le monde, c'est quoi? Ça dépend de vous, de chacun, chacune. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y en a qui vont vouloir obtenir un travail si ils n'ont pas de travail. Il y en a qui vont reprendre avec une personne si c'est possible, hein, mes chéris, parce que ça dépend des deux côtés. Hein. Ça ne dépend pas d'un côté. Et voilà, on est épanoui ensuite. Il y en a qui... En fait, on veut le monde. Et là, vous allez atteindre quelque chose. En tout cas, quelque chose de magnifique. On va être épanoui. C'est succès.
réussite, accomplissement, épanouissement, guérison, plénitude. Mais c'est grâce à le fait que, si vous voulez, vous êtes synchro avec l'univers, vous êtes en connexion avec l'univers. Et en fait, si vous voulez, la spiritualité vous aide. Elle vous apporte de la tranquillité, de la joie. Elle vous apporte... elle vous apporte des réponses aussi. Oups, qu'est-ce que ça veut parler avec vous, mes balances? Là, j'en ai beaucoup connu le feu. Je vais regarder. Bon. Prenez que ce qui vous parle, parce que là, c'est important quand même. Alors, ici, comment je vais dire ça? Il y a une transformation qui s'effectue soit c'est imminent, soit ça vient de se faire là et ça tombe dans mon tirage ou ça va se faire, sinon c'est dans le trimestre en cours, d'accord? Transformation, pourquoi? Parce qu'en fait, on a lâché prise et on a accepté. Et accepter, ce mot-là, il est très important. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout accepter, n'importe quoi, je n'ai pas dit ça. Mais il y en a qui vont comprendre de quoi je parle. En fait, accepter, quand on arrive à ce stade-là, ça y est, on a guéri. On a guéri, on a résolu, c'est la solution et on avance. Hein, d'accord ? Ça veut dire que ça y est, on est guéri et on peut avancer. Peu importe... peu importe le domaine, ou par rapport à une situation, ou par rapport à nous-mêmes, ou quelqu'un d'autre. On va vers l'acceptation, et on va vers lâcher prise, acceptation, il y a mutation, transformation, et il y a des gens aussi, il y a un événement proche, donc peut-être vous allez être invité à un événement proche, ou peut-être c'est vous qui... Ben, si vous vous mariez, exemple, vous allez inviter. En tout cas, il y a un événement proche qui est important pour vous. En découle quelque chose, hein, toujours est-il. Hein. Sinon, il y a un événement proche qui va être très important pour vous. Voilà, je ne peux pas dire autrement, hein, mes chéris. Hein. Là, je vois, c'est pas mal. Hein. Il y a des gens... vous avez tout compris, vous, hein. Vous acceptez. Et comme vous avez compris que vous acceptez, ça y est. Alors, soit c'est, je vous dis, imminent, ou soit c'est dans le trimestre en cours. En tout cas, on lâche prise, là, et on va être trop bien. Ça veut parler, hein, chez vous. Travail. Entreprise, mes chéris, ben, on revient à ça, on démarre quelque chose de nouveau ou on redémarre, vous voyez, on relance les affaires, hein, si on a une entreprise, hein, ou un commerce. Et le travail vous attend, pour certains d'autres, vous allez beaucoup travailler. Ça y est, on a une réponse là par rapport à l'emploi. Bon, ben, il y en a d'autres, c'est l'URSSAF. Hein. Mes chéris, alors... soit vous avez payé les cotisations, les impôts, ou il va falloir, ou alors il y a des dettes et il y a un courrier là. Pour d'autres, en fait, on a une proposition au niveau de l'emploi. Pour d'autres, il s'agit de documents aussi, ça reparle de documents, de légaliser, votre travail, qu'on me dit là. Et là, je vous... c'est, comment dire, là je vous préviens, donc je vous transmets le message parce qu'il y a peut-être risque de se faire attraper, hein. Légaliser ça, il n'y a pas mieux, hein. On est tranquille dans sa tête, on est ok dans ses bottes avec nous-mêmes, on est bien avec l'État, on ne doit rien, on ne risque rien, voilà. Là je ne parle pas de ça, hein. Là je parle quelqu'un de, faites attention, hein. Vous êtes prévenus. Pour d'autres, en fait, si vous voulez, il y a une opportunité. Pour d'autres, en fait, ben, on attend le verdict, on attend la réponse. Est-ce qu'on va être pris ou pas, hein, vous voyez, ben, il y en a que oui, il y en a que non, hein, que voulez-vous. Bon,
Oh là là, qu'est-ce que ça va parler, mes balances? Je ne sais pas si je vais prendre tout ça, moi. Bon, bah si, là. Si, si, je comprends bien, ça y est. Oui, je vais prendre tout ça. Oh là là, c'est magnifique. J'ai quelqu'un qui guérit. Il y a quelqu'un qui guérit. Alors, vous n'êtes pas sur le même, sur la même vitesse de croisière, on est bien d'accord. Il y en a que ça vient d'arriver, il y en a que ça va arriver, il y en a que prochainement ça va arriver, mes chéris. Mais toujours est-il, je parle à quelqu'un et vous voyez, ça continue, en fait, c'est vraiment... En fait, ça confirme. En fait, ici, il y a quelqu'un, vous allez vous pardonner ou vous allez pardonner à l'autre, donc adaptez, s'il vous plaît, ou vous vous pardonnez ou vous pardonnez à l'autre parce qu'il y a besoin, d'accord. Mais là, on guérit son cœur. Mais là, en fait, si vous voulez, c'est l'apaisement des émotions. On renaît, grâce à ça, eh bien, en fait, si vous voulez, on se réharmonise, mais en globalité, en généralité, d'accord. Donc, en fait, c'est magnifique parce que tout le monde... bon, le pardon, attention, hein, c'est pas évident. Mais c'est pour vous élever, pour une, c'est une amélioration. C'est pas une amélioration, c'est big. C'est énorme quand on arrive à pardonner à quelqu'un. Et s'il y a besoin de se pardonner, quand on arrive à se pardonner, parce que des fois, vous savez, on le dit souvent, on dit oui, c'est plus facile de pardonner à l'autre qu'à soi-même, vous voyez. Et là, c'est quelqu'un, il y a une histoire de pardon. Et ça y est, on est libéré, c'est terminé, plus de rancœur, plus d'haine, rien du tout, on avance, on renaît de ses cendres, tel un phénix, hein, d'accord. Et en fait, ça y est, le cœur, il va être guéri. Et quand il est guéri, c'est qu'on a accepté, on a lâché prise, on guérit, et après, il n'y a plus rien. Moi, je dis toujours, il n'y a ni amour, ni haine. Mais par la suite, en fait, quand vous à cette personne, exemple, vous allez vous dire, bah, je lui souhaite pas de mal, je lui souhaite juste que cette personne... Oh bah ouais, c'est des idiots ici, hein. Ils m'énervent ces motards là. Oh, ils me font râler ma chienne. Oh, c'est pas vrai ça. En plus, il y en a un qui est passé comme un malade là. Franchement, ils m'énervent. Ils ont pu faire ça sur des pistes. Non, mais c'est vrai, ici, c'est quand même la vie là. Alors. Il y a quelqu'un qui traverse, vous vous faites faucher, quoi. Il faut arrêter les conneries, mais s'amuse, quoi. Après, il y a des petits cons, là, aussi, qui volent des motos, là, j'ai entendu. Et donc, du coup, ils ont volé les motos, deux ou trois, ce qui paraît, et puis ils font les idiots. Bon, bref. C'est rien, Mayona. Alors, excusez-moi. Ici, en fait, si vous préférez, on réharmonise... C'est vraiment, mais alors là, général, ça veut dire c'est entier, c'est de la tête aux pieds, c'est général, hein, que vous allez guérir. Oh, c'est magnifique, là. Et moi, je vous le disais, là. Hein. En fait, c'est ça aussi, l'abondance, mes chéris, c'est la guérison. L'abondance aussi, c'est que ça y est, nos émotions, ça y est, nos douleurs, tout ça, et on est guéri d'une personne, exemple, ou d'une situation, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, c'est l'abondance en toute sa splendeur. L'abondance, ce n'est pas que le fric. J'arrête pas de le dire. Oui, c'est vrai, ça fait partie, bah, bien sûr. Mais là, là, je parle de guérison. Vous avez souffert, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez. On était dans la douleur, dans la souffrance. Hein. C'est pas facile. Puis, je vous parle d'abondance. Regardez ce qu'il y a en dodec. Non, mais voilà, ça confirme. Merci, mes guides. Ouais, en fait, si vous voulez vous retrouver avec l'enfant intérieur, vous allez faire un avec vous-même et en fait, vous allez vous suffire à vous-même, vous allez vous suffire et vous guérissez et ensuite, bah, quand on est un, on devient deux. D'abord le chiffre 1 et après le 2, c'est normal. Mais bon, souvent, je vous dis honnêtement, on va dire 80% des gens ne sont pas un. D'accord, il leur faut du temps pour comprendre. Et malheureusement, il y en a qui ne comprendront pas dans cette vie-là, en tout cas. Mais là, là vous, vous avez tout compris. Vraiment, c'est génial. Donc, je ne parle pas à tout le monde. Là, vraiment, c'est particulier, hein, pour arriver à ça,
Ah là, mais c'est magnifique. Mais il y a quelqu'un qui vous a aidé ici. Il y a quelqu'un qui vous a aidé. Et il faudra être en gratitude et gratitude à l'univers, d'accord? Donc, faites une lettre à l'univers et une lettre de gratitude, d'accord? Parce qu'on oublie, hein, on oublie. Et cette personne aussi, il ne faut pas oublier de la remercier, hein, vraiment. Hein, parce que c'est la moindre des choses, mes chéris, hein, on est bien d'accord. Et oui. Je ne sais pas, on parle de nettoyage profond. Là, cette année, là, en cours. Hein. Mais il y a quelqu'un qui vous a aidé, c'est pas possible. Il y a une grosse avancée karmique de votre vie et tout. Hein. Regardez-moi ça. Grosse avancée karmique. À vous, à qui je m'adresse, vous le savez. Franchement, je suis trop heureuse à l'avance pour vous, mes chéris, et continuez comme ça, et puis c'est pas terminé, il y a encore des belles choses, je peux vous assurer. Et puis vous savez ce que je dis tout le temps, souvent, je dis quand on a mangé du pain noir, bah, après on mange du pain blanc, voilà mes chéris. Et puis si vous avez, si ça résonne, par rapport à mon tirage, j'aimerais bien avoir un commentaire, s'il vous plaît. Et puis, voilà, quoi. Et puis, j'aimerais bien, c'est vrai. Et puis, sinon, bah, écoutez, après, vous faites ce que vous voulez, ça, c'est sûr. Hein, mais je ne vais pas répéter tout le temps. Mais sinon, écoutez, ben, mes chers balances, je vous fais de gros bisous. Et là, je suis restée pas mal. J'avoue qu'en plus, j'ai utilisé des nouvelles cartes qui me tenaient à cœur. Hein. Je me le suis offerte. Et que vous êtes les premiers, en fait, donc j'espère ça pour faire des jalousies. Vous êtes les premiers, en vérité, en fait, avec qui je les ai utilisées. Et il y a une petite histoire, c'est dingue, hein, comme quoi c'était pour vous. Alors donc, c'est comme ça. Parce que figurez-vous que j'ai été livrée et j'ai fait tomber le paquet parce que j'avais quelque chose d'urgent à faire. En fait, en vérité, en consultation, donc je me suis excusée auprès de la personne. Et sans faire exprès, j'ai fait tomber le paquet au lieu de le poser au bout de la table, là, et tomber. Et en fait, c'est dingue, j'ai fait des vidéos auparavant, donc cancer, j'ai fait taureau, j'ai fait qui, bélier je crois, enfin je sais plus de mémoire comme ça, parce que pour que tout le monde soit servi, donc aujourd'hui ou demain. Et en fait, si vous voulez, ma fille, quand j'ai arrêté, ma fille, quand j'ai arrêté la vidéo avec, je crois que c'était cancer, ma fille, elle me dit, maman, t'as vu, elle ramasse le bébé, elle me dit, tu sais pas, j'ai dû faire tomber, je suis allée vite, tout ça. Et elle me dit, mais tu sais que c'est tes cartes. Je fais, mais non, j'ouvre et tout, à vous les balances. Là, ça voulait trop parler. Hein. Donc en fait, je suis désolée pour les autres signes. Vous les aurez tôt ou tard, hein, au fur et à mesure, j'utiliserai ces cartes aussi. Bon, là, je vais les utiliser pour les prochains. Et ce, excusez-moi, parce que peut-être que vous écoutez balance. Parce que c'est l'un de vos signes solaires, ascendant ou lunaire, et que vous voyez, vous allez, vous inquiétez pas, je vais les utiliser, hein, vous allez les voir souvent ces cartes. Hein. Bon, mais pas que, attention, j'utilise aussi mes premières, mes anciennes cartes, hein, d'accord? On est bien d'accord, hein, vous le savez, hein, mes chéris, j'y tiens. Hein. Bon, bref, il y avait des messages, c'est pour vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt et une très belle fin de semaine, mes chers balances. Et si vous avez besoin des services, des dons de Nati, eh bien, vous avez mon mail, c'est comme ça que vous me joignez, n'hésitez pas. Et puis, profitez de la promotion. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, revenez dessus. Et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt, mes chéris.